Allez, bonjour tout le monde, c'est Kevin pour une toute nouvelle vidéo sur Football Manager 2023 avec la partie. Le centre sera présent en Ligue 1. Donc on est parti. Donc ouais, c'est comme ça. Ouais. Il y a quand même beaucoup d'absents là. Est-ce qu'il y a des joueurs qui pourraient revenir? Basque, Youssouf et Mendy. Basque. Ouais, bon, personne n'est prêt. Bon, c'est pas grave. Allez, on est parti. Continue. Donc ce soir, on prendra tout point campus à 18h en live. On continuera le prochain, le nouveau campus. Comme il n'y a pas de changement de planning, donc c'est bon. Oh putain, on perd 1-0, mais non! C'est pas vrai ça! J'espère qu'on va aller chercher l'égalisation au moins. Ça va bien. Ah, une doigt a failli marquer, mais ça a pas. C'est dommage. Ça va 6,4 et toi 6,3 ça va pas le faire. Hop. On va les encourager un peu. Ah, un penalty. On va égaliser, j'espère. Oui, on égalise, allez, 1-1. Bonne nouvelle. Ah, enfin, on mène 2-1. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et on reprend la deuxième place, surtout.
Ndongo, tu rentres en attaque. Vous voyez. Ok, impeccable. Voilà, donc on a gagné deux coups par ancienne, ça c'est une bonne nouvelle les gens. Très bonne chose. Tant mieux. Donc pour l'instant on reprend la deuxième place du championnat, ça c'est une bonne chose. Voilà. Rien serait si on veut fuir les rumeurs sur quelqu'un. Andreas Bruce a réalisé une très belle rencontre face à l'ancienne aujourd'hui, il a été le joueur du match. Surtout, est-ce qu'il y a eu beaucoup de buts à la suite de centre cette saison? Mbenga a été replacé dans la cité, désormais davantage de responsabilités dans différentes phases du jeu. De plus en plus de voir les élèves pour critiquer la résistance à adopter un style de jeu direct, et ce malgré que vous avez promis, qu'avez-vous à répondre à cela? Voilà, impeccable. Hop, 12 matchs. Alors, moi, ils ont dominé presque tout le long du match. Mais ils ont éligé à monter qu'en deuxième période. Allez, B moins. B plus. A moins. Là, elle est à A. Lui, il a B. Tu es en train. Je tiens à vous faire savoir qu'on a reçu une décision concernant la plus grande prévue de mettre un terme à sa carrière. Bon, bah d'accord. Bon, bah il prend sa retraite à la fin de l'année. Voilà. Les 5 messages là. Là, on va le féliciter, Smart. Oh, c'est pas. Là, il y a 10 messages. Bah, lui, il y a plus, mais bon, trop cher. On s'en fout. Ouais, non. Ah, Nolan Hoon veut prendre sa retraite.
Le 16 juin 2024, on va essayer de le faire changer d'avis. Ok. Trois messages, lui laisser, mais on va l'observer. Lui, on va le laisser de côté, lui aussi. D'accord, puis ici, entraîneur de Rodez. Ça, y a rien à faire. Observer le joueur. 51 à poste de Baillet qui est nouveau à poste Mbengue. Donc le Soufopana. Bon, on va rester en bas les autres. On va mettre ça comme musique, je sais pas si ça va passer. La dernière fois que j'avais fait ça, je me rappelle, j'avais arrêté le live au bout de 10 minutes à quart d'heure parce que j'étais. Hop, là, y a rien à faire. Donc, toi, tu peux y aller. Toi aussi. Toi aussi. Youssouf aussi. Et lui aussi. Hop, on laisse de côté. Voici. Voici. Ah ben, j'ai pas mis de côté. Ouais, putain. Oh, d'accord, bon. Et confirmé. On va voir si j'arrêterai ou pas après de live, après ce match-là. Oh ouais. Bon, maintenant c'est bon pour l'instant. Face au Paris FC. Pour l'instant, on revient à 4 points d'Angers. Ouais, je pense que ça va être le dernier match, j'arrêterai après ce match-là et je vous dirai si, et à 18 h, je vous dirai si je live ou pas. Voilà. J'arrive pas à animer en fait. Bon, ça arrive des fois que, bah, avec le travail et tout, ça m'arrive des fois que je peux pas. Donc voilà. Allez, on mène 2-0 contre le Paris FC, ça c'est bien. C'est dommage parce que je pense que j'aurais pu bien avancer, mais là c'est pas possible. Donc voilà. En plus, même si je fais du montage après, là je suis même pas sûr que je vais le faire tout de suite parce que c'est quoi comme jeu? Là c'est Big Ambition, vraiment. Je serais trop fatigué pour monter ça.
Il y a trop de boulot là-dessus. On verra ça peut-être demain. Et on mène 3-0. Ça c'est bien. Bon, faut que tu fasses le changement quand même. Bon, on gagne 4-0. Bon, c'est un match à sens unique, vu ce que je vois. Ça c'est une bonne nouvelle. Donc Alinandou elle a 20 buts, Sabali il est à 11 et Grange il est à 7. Yankini 7-37, Ndour 7-31, Sabali 7-21. Dame, il a 9, Bianchini 6, Sabalé 6, Grange et Berthier 5. Homme du masque, Sabalé et Endo sont à 4 chacun. Et clean sheet d'Espoise, il est à 5. Pourquoi ça va beaucoup? Carso jaune, Fofana 6, Basque 6, Dame 6 et Sangante 5. Donc on est toujours la meilleure attaque du championnat à l'aise. En termes de défense, on remonte petit à petit, mais on est quand même assez loin. À domicile, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e.
Et à l'extérieur, bah, on est premier. Deuxième. Et on est cinquième en deuxième partie de saison. Et quatrième sur les cinq dernières rencontres. Bon, on va aller voir le dernier message. Bon, je vous annonce, on va arrêter déjà le live. Parce que voilà, je suis fatigué, donc on va arrêter là. Donc peut-être que je liverai à 18h, peut-être pas, on verra ça. Donc pour ceux qui ont vu la rediff de live sur Football Manager 23, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ouais, plus souvent.